Salut à tous, c'est Mélo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis, donc un unboxing. Et aujourd'hui on va ouvrir le paquet du casque Sakura Cardcaptor. Enfin, je l'ai reçu, je suis très très contente et j'ai très hâte de le déballer complètement en fait et de le mettre sur ma tête. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site officiel Yowoo que je vous mettrai dans la description. Il y a plein de casques, il y a des limités, comme le Sakura Cap. Il y a aussi le Hatsune Miku qui n'est plus disponible malheureusement. Il y a le Fox Spirit Susu, un casque que je vous montrerai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Donc, et aujourd'hui nous allons parler du casque Sakura. Donc je l'ai reçu en, on va dire, allez, un mois. Donc il a mis un peu de temps à arriver, mais ce qui est normal. Donc je vais ranger tout ça et faire un petit peu de place. Donc voici le paquet, donc il est assez gros. J'étais en train de me dire, mais est-ce que ça va être le casque qu'il y a dedans? Enfin, je trouvais le paquet très fin au niveau d'ici, sachant que les casques Yowoo, on les reçoit dans des grosses boîtes. Et là, bah, c'était plus fin. Donc alors, voyons voir. Je l'ai déjà ouvert, hein, bah, sur mon copain voulait le voir, donc je l'ai montré, bien sûr. Donc alors normalement, il est sous film, il est sous papier bulle. Alors voilà pour un premier aperçu, voilà la grosse boîte, elle est quand même assez grosse. Donc derrière nous avons la marque Yowoo et derrière on a quelques trucs de noter. Donc la boîte, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon bah ça c'est le colis, hein. Je suis un peu dégoûtée qu'il soit un peu explosé. Mais bon c'est pas grave, je pense que de toute façon mes casques après seront en exposition dans ma pièce que je n'ai pas encore d'ailleurs. Vous verrez dans des prochaines vidéos. Donc c'est pas grave si c'est un peu défoncé, en tout cas l'image est très jolie, de très bonne qualité, j'apprécie. Donc alors, ensuite pour l'ouverture. Donc, ça met 4 secondes à arriver, c'est très chiant ce genre d'ouverture. Allez, ouvre-toi ces ailes là. Ah, ça y est, ça arrive, ça arrive. Wouhou! Je vais mettre ça de côté, hein, d'accord. On reçoit ça dans une magnifique pochette. C'est très soigné, très propre, j'aime bien. On va le sortir. Alors voici le petit colis, donc c'est une grande pochette comme ça en tissu avec la marque de marquer ici. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc il y a des ficelles de chaque côté qu'on peut resserrer, enfin voilà, mais enfin, moi je le mettrais peut-être pas dans la pochette, je sais pas. Dedans bien sûr il y a le casque, hein, parce qu'ils ne vendent pas que la pochette, hein, ça serait con. Bah là, si ça reste pas bloqué, mais à tous les coups ça reste bloqué parce que j'arrive jamais à faire un truc joli. Voici la petite valisette donc avec le logo. Voilà, on va montrer le détail. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à montrer? Bah, pas grand chose, hein, à part que la boîte est de très bonne qualité. En tout cas, premier aperçu, très bonne qualité de boîte, assez dure. Enfin voilà, je pense que. Non, je vais pas le faire tomber, non, c'est une très mauvaise. Et voilà, le premier aperçu du fond de la boîte. Le détail est juste magnifique, j'adore, c'est trop beau. À l'intérieur, c'est du velours, donc c'est doux, c'est agréable. Il y a du relief, j'apprécie énormément, c'est trop beau. J'aime cette boîte. Et à l'intérieur, voilà ce qu'il y a dedans. Alors, nous allons déjà commencer par la petite pochette que voici. Donc le premier fil, bien sûr je pense que c'est le fil de recharge, donc rien de bien sorcier, c'est un câble universel. Et ensuite on a la petite pochette, donc le détail, voilà, il est à l'envers, c'est génial. Je vais retirer ça et ensuite, donc quand on ouvre, ça fait deux petits crans et deux petites pochettes séparées. Donc voilà ce que ça donne. Dans un premier temps, nous avons les fils, voilà, qui sont juste magnifiques. Ce fil est magnifique, j'ai même pas envie de le sortir tellement il est beau. Ensuite, nous avons un autre petit dépliant pour nous expliquer un peu ce qu'il y a dans le casque, etc. Et ensuite, nous avons les cartes. Donc c'est des cartes à, je crois que c'est à scanner aussi, c'est un peu comme les amiibo. Et je sais pas du tout où ça se fout. Je crois qu'il y a une histoire avec l'application Yowoo, donc tout se fait sur l'application. Donc je testerai. Hein. Et ensuite, nous avons la bête. Donc le voici. Donc un casque vraiment de super bonne qualité, comme d'habitude chez Yowoo. Il fera franchement des couleurs trop belles. Vraiment très beau ce casque. Je vais vous montrer le détail. L'intérieur des oreillettes se présente comme ceci. Nous avons les boutons qui sont ici pour l'allumer et le volume avec les ailes. Et bah le trou.
le trou pour le charger, bien sûr. Ok, j'ai eu très peur. Vraiment, j'ai vraiment flippé ma race. Donc, alors, je vais vous faire écouter le son que ce casque fait, parce qu'il fait un son. Comme tous les casques Yuhu, oui, normalement. Ouh, il serre beaucoup. Donc, alors, je fais le bouton et écoutez. Je vais aller sur l'application Yuhu. Donc voici les couleurs, donc ici nous avons du coup la petite lune et voilà, j'ai mis ça en multicolore, donc je trouve ça vachement sympa. Le son fonctionne très très bien, j'aime bien la qualité de Yuhu, de toute façon comme tous leurs casques, j'adore. Et ouais, la qualité, j'adore, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai pas grand chose à redire sur ce casque, il est trop beau, j'adore, encore un qui se rajoute à ma collection. J'ai été très contente de faire cette vidéo, j'espère que ça vous motivera à acheter ce casque. Donc ce casque, je l'ai eu, attention, donc je l'ai eu à 239$, donc sans les frais de port, mais du coup voilà, il a coûté quand même un petit bras par rapport aux autres casques, mais il est très très beau et la qualité reste toujours la même, donc c'est trop cool. Et vu que c'est une version limitée et que c'est Sakura Card Captor, bah franchement j'ai rien à redire, et en fait l'emballage est juste magnifique, donc voilà, rien à redire. Donc wali walou, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donc donné envie d'aller sur leur site. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous et bisous tout le monde !